Good morgen, allez Yiden, les tues aujourd'hui le lundi Shmat, Mourvirabish, Mouel, Menjlo Mazal, Menjlo Mouminamin, Men Mazal, Amram, Yonah Ben Chanan, c'est que l'Irfouat, Sarah Ben Betirivka, Refel Zvulun Ben Chayam Alia, Myriam Bat Hasida, et Dov Ben Yudit, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez, vous aussi, une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions la Sechet Rolin, Perik Vav, Mishnah Zain. Bame Mechassin ou Bame En Mechassin. Mechassin Bezev El Hadak, ou Bechol Hadak, Besid. ובחרסית, ובלבנה, ובמגופה שקטשם. אבל אין מכסים לא בזבל הגס, ולא בחול הגס, ולא בלבנה ומגופה שלא קטשן, ולא יכפה עליו את הכלים. כבר אמר רבן שמעון בן גמליאל, דבר שמגדל בו צמחים, מכסים בו, ושאינו מגדל בו צמחים, אין מכסים בו. Mishnah, très simple et très compliqué en même temps. Très simple parce que le contenu n'est pas compliqué, mais la difficulté est de comprendre comment ça a été déduit, et là, ça va être flou. On va s'intéresser maintenant, c'est la dernière Mishnah qui va nous parler du Kisui Adam, la fameuse mitzvah de recouvrir le sang des volailles ou le sang des animaux, des animaux sauvages. Lorsqu'on les égorge, la Torah nous a donné une mitzvah spéciale de recouvrir leur sang. On va s'intéresser maintenant à savoir avec quelle qualité de terre on peut accomplir cette mitzvah. Est-ce que tout ce que je peux moudre et réduire en poussière, ça peut s'appeler de la terre que je vais pouvoir recouvrir. Est-ce que je vais pouvoir, prendre un bout de plastique et les friter, en faire de la poudre et le saupoudrer, ou ça ne s'appelle pas de la terre? Vous comprenez que là, il y a une limite. D'un autre côté, est-ce que je vais prendre des métaux que je vais... Que je vais moudre, ça peut exister bien sûr. Alors, de la poussière de fer, de la poussière de la sciure de bois. Est-ce que tout ça, qu'est-ce qu'on considère comme de la terre, concrètement? La difficulté, c'est qu'en fait, la Mishnah, elle va être très simple, très agréable, tout clair. Et le problème, c'est que le Bartanoï va nous apporter avec la Gemara, elle nous rajoute toute une liste qui ne vont plus entrer dans les règles précisées. Et on va faire de l'ordre, Bezrat Hashem. Bame Mechassin, ou Bame En Mechassin. Avec quoi on recouvre, avec quoi recouvre-t-on mes racines, comme on dit, les chassot, recouvrir quelque chose, un kisouille pour un couvercle, ou va mes en mes racines, et par quoi on ne recouvre pas? Qu'est-ce qui est invalidé pour faire la misère kisouille d'âme? Mes racines be zevel hadak, on peut recouvrir avec du zevel dak. Alors, ça n'a pas tellement été précisé qu'est-ce que c'est, mais si je me fonde sur la traduction logique qu'on a l'habitude de remonter, le zevel, c'est les engrais naturels, les sécrétions des animaux qu'on récupère et qu'on va moudre, qu'on fait des engrais. Donc apparemment, c'est ce que ça veut dire ici, zevel hadak. Personne n'a précisé, n'a expliqué c'est quoi le zevel hadak, et j'étais très étonné, parce que c'est pas de la terre. C'est-à-dire ça, on ne va pas tellement rentrer dans les règles, mais il y a quand même une solution encore pour celui-là. Donc pour l'instant, on laisse de côté, quand on arrive à la fin de la Mishnah, on va refaire de l'ordre, on expliquera qu'est-ce qu'on peut éventuellement expliquer à propos de lui. On va faire la dac et avec du sable fin. Il faut du sable très fin. Le Barthénois nous précise que, par exemple, le potier n'aura plus besoin de le moudre davantage pour pouvoir l'utiliser. Il faut qu'il soit vraiment, vraiment très réduit en petite poussière. D'accord? Bécide, ou encore avec de la chaux, c'est-à-dire de la chaux sèche. Plutôt, j'imagine, c'est avec encore le calcaire lui-même. Ou Becharsit, alors Harsit, c'est de l'argile qu'on a, après une fois qu'on avait eu l'ustensile en argile, on l'a réduit en terre, d'accord? Et qu'on a fait passer au four, logiquement, c'est-à-dire au sel, qu'on fait un produit en terre, une fois qu'on a fini le potier, une fois qu'il a fini de former le pot, en général, il va le mettre au four. Et je continue la Mishnah, on refera de l'ordre ensuite. Ou vil vena ou vim gufa shektasham. L'évena, c'est une brique, donc avec du mortier, c'est aussi une forme de terre initialement, de terre, de sable mélangé, qu'on mélange selon des quantités spéciales, et les mélange avec l'eau, puis ensuite, à l'époque, on faisait passer les briques au four, et elles se durcissaient. Donc, tu peux prendre aussi une brique, ou tu peux prendre une mégoufa. Mégoufa, c'est le couvercle du tonneau, que le couvercle lui-même il est en argile, donc à base de terre, mais à condition que Sheikh Tachan, qu'elle était Kotesh Otam, qui les a broyés, qui les a réduits en poussière. Ok, voilà la liste des produits qui ont été
toléré, accepté pour pouvoir faire la misère qui soit Yadam. Ou va mais aval en mechassin, par contre, on ne pourra pas recouvrir avec l'obèse de la gasse, ni avec du sable trop épais, c'est-à-dire du sable que le potier, je sais pas, tout celui qui a travaillé le sable, il ne va pas l'utiliser tel quel parce qu'il est encore trop épais, il va devoir le moudre davantage. Donc pour le moment, ce sable, tu ne pourras pas l'utiliser pour recouvrir le sang. Velo bechol agas, excusez-moi, j'ai expliqué le chol agas. Chol agas, c'est le sable épais. Zevel agas, c'est les engrais qui sont encore trop épais. Il faut les réduire en petites poussières. Velo bilveno vim gufa shelo ktashan. Et pas non plus avec une brique ou le couvercle en argile que tu n'as pas shelo ktashan, qui n'a pas broyé complètement, qui est réduit en poussière. Velo irpe alavetakli. Et aussi, il ne pourra pas recouvrir dessus un ustensile, c'est-à-dire, tu aurais pu croire que je t'ai dit de recouvrir le sang, je prends une assiette et je la retourne dessus. Non. Lo irpe alavetakli, tu ne pourras pas retourner une assiette dessus, ça ne s'appelle pas que tu as recouvert, il faut nécessairement avec de la terre. La Mishnah continue en me donnant maintenant une généralité qui va inclure tout ce qui a été dit auparavant. Pour le moment, tout va très bien. Klal Amar Rabban Shimon Ben Gamliel. Telle est la généralité que Rabban Shimon Ben Gamliel a enseignée. Davar Shemegadel Botsmachim. Une chose de laquelle on peut faire pousser des végétaux. Mechassinbo. On pourra recouvrir. Veshe Eno Megadel Tsmachim. Et une chose, un matériau qui ne fait pas pousser des végétaux, en mechassinbo. Donc il nous a donné une règle, on ne recouvrira pas avec lui. Il nous donne une règle, Rabban Shimon ben Gamliel, il nous dit, c'est simple, la terre, qu'est-ce qu'on fait avec la terre? On fait pousser des végétaux. Bien, tout ce que tu feras, tout ce qui sert à faire pousser, tu feras pousser. Donc maintenant, on reprend la liste un petit peu, on explique un petit peu chacun. Je vous avais dit, le Zevel, on parle des excréments, des animaux. Alors en théorie, on ne peut pas planter dedans, c'est vrai, mais d'un autre côté, ça sert à faire pousser. Alors, je sais pas, personne n'a parlé du Zevel à Dax, ça m'embête beaucoup, mais c'est comme ça que j'ai compris, d'accord? Sans garantie, c'est possible que je me sois trompé. Au contraire, si vous voyez dans un livre que je me suis trompé, faites-le moi savoir. Le mieux, c'est de faire sur le cours de YouTube, de mettre là-bas une petite annotation, et vous ajoutez le petit détail, quand la cabote, si vous réussissez. D'accord? Il y a, entre parenthèses, il y a un super chasse de Mishnayot que j'ai pas toujours à disposition au Batamidrash, ça se trouve pas partout, mais il y a un chasse de Hard Scroll en hébreu. Un chasse Mishnayot de Hard Scroll qui ont fait un travail extraordinaire. D'accord? Quand on a des difficultés, je l'utilisais surtout quand on étudiait Douyot, qu'on passait d'un sujet à l'autre, d'un jour à l'autre, c'était un peu rude parfois. Ça m'arrivait plusieurs fois, peut-être une dizaine de fois, de partir voir là-bas comment ils introduisaient la Mishnah. Ils apportent toutes les introductions nécessaires pour que ensuite on comprenne le sujet. J'ai pas regardé là-bas, en l'occurrence. Allez voir, peut-être éventuellement, vous allez avoir plus de renseignements. Ça, c'était pour le Zevel Hadak. Ensuite, maintenant, il y a un problème technique. C'est que Rabban Shimon ben Gamliel nous dit, c'est simple, la terre, c'est là où on fait pousser des végétaux. Le problème, il est que toute argile, toute terre que tu as travaillé, que tu as fait rentrer au four, cette terre, elle est grillée, littéralement, elle ne peut plus faire pousser des végétaux. Soit, vous allez prendre une assiette en argile, en porcelaine même, c'est aussi à base de terre. Broyez-la comme vous voulez. Arrosez-la, ajoutez des engrais et plantez des graines, vous allez voir, ça ne va rien vous donner. Dès que l'argile est passée au four, c'est mort. Elle est grillée. D'accord? Keep plutôt. Donc de ce fait, on a un problème technique avec Kharsit, Levena et Megoufa. On parle Kharsit, on parle des débris de peau en argile que tu as broyé. Or, il est passé au four. Idem pour la brique, on l'a fait passer au four. Comme c'est dans la Parashat HaShavuot, on apprenait dans Shemot, dans plusieurs endroits, ici c'était pas dit, c'était plutôt dans Noir, ça a été dit explicitement, je sais pas si dans Shemot ça a été précisé. On fait passer la Levena, la brique, on l'a fait passer au four pour que tout se fige ensuite ensemble. Idem encore pour l'argile de la Megoufa. Donc il y a un problème. Tu me dis qu'il faut nécessairement qu'il fasse pousser des végétaux. Ces trois ne font pas pousser des végétaux. Sur ça, il y a une réponse facile à donner pour le moment. C'est vrai, aujourd'hui, tu ne peux plus faire pousser des végétaux, mais à leur origine, tu pouvais faire pousser des végétaux. Donc, ça suffisait pour être défini comme la terre. Pour le moment, tout va très bien. J'ai eu encore un petit problème en route. C'était l'histoire du cid, la chaux. La chaux, en fait, c'est du calcaire. Seulement, quand je suis parti vers des petites excursions et que j'ai vu des pierres en calcaire, j'ai jamais vu qu'on faisait pousser des végétaux sur le calcaire, j'ai eu du mal à comprendre. J'ai encore trouvé sur
Wikipédia, apparemment, c'est encore possible. Je sais pas, il parle là-bas de calcaire de chaux magnésier, ou je sais pas, encore quelques éventualités de chaux qui sont, oui, favorables pour faire pousser les végétaux. Donc finalement, on s'en est bien sorti. La Mishnah nous a proposé des produits qui ont un certain rapport avec la pousse des végétaux, et c'est la généralité que nous propose Rabban Shimon ben Gamliel. Le problème, il est que dans la Gemara, l'Agmara nous précise qu'en réalité, c'est beaucoup plus large, on a un éventail beaucoup plus garni pour permettre encore d'autres sortes de choses qu'on pourrait considérer comme de la terre. Alors, il y a une certaine généralité supplémentaire, en plus de ce qu'on a dit, qu'il fallait de la terre qui fasse pousser les végétaux, même si c'est à l'origine et qu'aujourd'hui, concrètement, ça ne fait pas pousser, pour le moment, c'est encore bien. Il y a parfois, vous allez voir que la Torah, elle a appelé une chose, une poudre, afar, si la Torah a utilisé le mot afar, ça y est, c'est validé, ça signifie que c'est de la terre. Quand la Torah a dit vechisaou be'afar, ça signifie que tu pourras l'utiliser même ça. Entre parenthèses, le Bartanoï nous précise, ou plutôt, non, je crois que c'est plutôt le Tosfot Yom Tov, il fallait dire ou be'afar yechassenu. La Torah nous dit vechisaou be'afar, elle a utilisé une tournure qui nous laisse entendre en généralité, et puis qui vient ensuite être réduite, pour me dire élargis un petit peu plus le tir, ne te contente pas de la terre dans laquelle tu fais forcément pousser des végétaux au jour le jour, mais élargir un peu le tir. De ce fait, on a la première généralité de tout ce qui a un rapport avec la pousse des végétaux, et on a à part ça, partout où tu verras que la Torah a utilisé l'expression afar, de la terre, alors que c'est pas de la terre, eh bien ça veut dire que ça a été validé. En l'occurrence, figurez-vous que même dans les métaux, il y a des fois, la Torah l'a utilisé une seule fois dans la Torah, ils rapportent tous le pasouk de, je le retrouve plus, c'est pas grave, afrot zahav. C'est un pasouk qui a été dit, je ne sais plus l'origine, mais on va rechercher dans le Barthénor, vous allez le voir. Il va parler de Afrot Zahav. Donc, tu dis que Afrot Zahav, Zahav c'est l'or, des terres d'or, l'or en poudre, ça s'appelle aussi de la terre, validé, ça marche. Encore et encore une autre chose que le Rambam rapporte, c'est justement, il fallait que je cherche dans le Rambam, en fait, c'est explicité dans le Rambam. Il importe encore, vous savez, la vache rousse. On fait brûler ensuite la vache rousse, on récupère le Efer para. Eh bien, la Torah l'a utilisé au son là-bas, Velakar, mais Afar Serefat Apara, de la terre de ce qui a été brûlé. Afar Serefat Achatat, ce qui a été brûlé quand on a brûlé la para, la vache rousse. Alors là, on a une de nouveau, quelque chose de super. Tout ce qu'on va brûler, qu'on va réduire en cendres, la cendre, elle est considérée encore comme du afar, comme de la terre. C'est très bien. Pour le moment, tout va très bien. Il y a encore quand même une exception que je n'ai pas réussi à comprendre l'origine exactement, c'est que le Bartona, il conclut, en fait, le Rambam, il explique qu'en réalité, il y a une liste. La liste, on la tient par transition de Moshe Rabbeinu. Certains ont réussi à trouver une source dans les psukim, certains n'ont pas trouvé de source dans les psukim, mais elle est quand même bonne. En l'occurrence, il y en a un qui fait vraiment défaut, c'est la Nesoret Shel Harashim, Daka, et Nehoret Shel Pishtan. Nesoret Shel Harashim, on a dit, c'est la sciure du bois. Lorsqu'on va vouloir travailler le bois, ça va nous faire une poudre de sciure. Et idem aussi avec Nehoret Shel Pishtan. Lorsqu'on va battre le lin, ouais, je crois que c'est au moment où on carde le lin avec des brosses, on l'éclate. Et puis là-bas, ça va faire parfois sortir quelques petites poussières. C'est normal, comme tout ce qu'on va frotter, que ça fait sortir la poussière. Eh bien, elles aussi, elles sont permises. On peut faire on peut en faire avec elles. On peut faire la misère de Kisui Adam, bien que concrètement, ça ne vérifie plus aucune règle des psukim. C'est un peu, j'ai pas. Non, je dis ce que j'ai étudié avec le Barthén Oral, Tosfot Yom Tov, Melechet Shlomo, les Mefarshim sur la page. C'est mon travail de vous dire ce qu'il y a écrit ici, même s'il y a des choses qui sont encore floues. Ben, ma foi, c'est que soit j'ai pas été assez fin d'esprit pour comprendre la nuance entre les mots, soit il y avait concrètement, il faut conclure comme ce que le Rambam dit, finalement, il finit la dernière phrase, tout ce qu'on t'a enseigné, en fait, c'est des choses qu'on tient par transmission. Et la Kabbalah, il y en a qui ont une allusion dans les psukim, il y en a qui n'ont pas d'allusion dans les versets, mais que malgré tout, c'est en fait une transmission. Donc en fait, j'imagine que le Rambam, il s'est posé le problème que j'avais de réaliser que pas tout était vérifié par les généralités, mais le fait est que malgré tout, ça, la transmission, elle a été donnée, que ça marche avec même la sciure de bois et même les impuretés du lin lorsqu'on garde le lin. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.